Nous allons commencer nos travaux et je remercie Monsieur Henri Poupart-Lafarge de venir devant notre commission. Nous avons eu des échanges téléphoniques, il y avait deux, trois possibilités de date. La première était bien en amont des différentes annonces, donc, mais aujourd'hui je le remercie d'avoir répondu assez spontanément à notre demande. Comme il le fait habituellement et comme l'ont fait ses prédécesseurs, puisque je dois vous rappeler que la commission des affaires économiques suit bien sûr tous ces sujets industriels et elle a eu l'occasion dans les années passées procéder dans des contextes un peu similaires à différentes auditions et notamment sur les années 2014 et 2015 dans le cadre des rachats des activités énergie de l'Alstom par General Electric. En mai 2014, dont la commission des affaires économiques auditionnait ainsi les dirigeants de Siemens France et de General Electric, deux candidats au rachat des activités d'énergie d'Alstom. Une première audition de votre prédécesseur, M. Patrick Krom, ça a été suivi. Et ensuite, il y avait une autre audition, notamment la dernière datée du mois d'avril. Ces auditions étaient chaque fois, comme sera celle-ci, accompagnée des auditions des ministres en charge des dossiers, à savoir que nous avions eu les auditions des deux ministres précédents de l'industrie et nous avons également organisé une table ronde avec les syndicats. Donc nous sommes un peu dans ce schéma aujourd'hui avec votre audition et nous aurons, je le dis d'ores et déjà, l'audition du ministre Sirugue la semaine prochaine, mercredi après-midi prochain. Donc nous aurons Christophe Sirugue sur ce dossier en particulier qui sera à votre place, Monsieur le Président, et donc avec lequel nous ferons le point. D'ici là, des informations que nous avons, un certain nombre d'annonces auront été faites au regard du travail qui est mené actuellement en concertation avec l'entreprise et le gouvernement. Donc, comme vous le voyez, naturellement, l'avenir d'Alstom préoccupe au plus haut point les parlementaires de cette commission, mais pas uniquement, puisque naturellement, elle est ouverte à l'ensemble des députés et des parlementaires. Chacun, dans les règles que je vous préciserai tout à l'heure, parce que vous savez, ici, nous sommes très stricts, chacun pourra s'exprimer, mais dans un schéma que nous avons déterminé au sein de la commission des affaires économiques et notamment par son bureau et sur lequel je me plais à l'appliquer. Donc 31 000 collaborateurs, une présence dans plus de 60 pays dans le monde et un chiffre d'affaires de 6,9 milliards 2015-2016, Alstom est l'un des grands groupes industriels français. Il est bon de le rappeler. Début septembre 2016, vous avez annoncé votre décision d'arrêter la production de locomotives à Belfort, berceau historique du groupe ferroviaire où Alstom produit des locomotives depuis 1879 et son transfert. Seules les activités de maintenance resteront donc sur le site de Belfort, ce qui entraînera la suppression qui a été annoncée. Maintenant, effectivement, nous verrons ce qu'il en sera par la suite, mais ce qui a été annoncé, la suppression de 400 postes sur les 480. Comme je l'ai dit, il y a un travail qui est mené actuellement entre le gouvernement et vous afin de pouvoir apporter des réponses concernant l'avenir du site et au-delà la globalité de la situation de l'entreprise. Car je crois qu'il faut travailler non pas sur un site en particulier, mais sur la globalité de la problématique. Toutefois, nous avons souhaité vous entendre aujourd'hui devant les parlementaires au regard des conditions qu'ont été le dialogue entre l'État actionnaire et l'entreprise. De quelle manière l'État a-t-il été informé de l'annonce de la décision de la restructuration? Au-delà, pouvez-vous nous présenter votre stratégie industrielle en France, sur notre territoire, mais également à l'international, puisque le groupe se développe fortement à l'international. Il y a une semaine, vous indiquiez que sans nouvelle commande en France, l'activité pourrait baisser de 30% à l'avenir sur l'ensemble des sites hexagonaux. De quelle manière est répartie la production sur les sites français? Je crois qu'on a besoin d'avoir ces informations. Comme vous le savez, non seulement aujourd'hui notre audition est suivie par la presse, mais elle est retransmise en direct sur le site de l'Assemblée nationale, donc accessible à un grand nombre de nos concitoyens. Quelle est votre stratégie en matière de recherche et développement afin de pérenniser l'excellence et le savoir-faire français
sur ces sites français et quelles sont les possibilités au sein de votre groupe par rapport à la globalité des sites de diversifier la production, l'ingénierie et la R&D. Dernière question concernant vos relations avec le groupe General Electric. Il a été écrit récemment, notamment au mois de mai, qu'Alstom avait porté plainte contre General Electric par rapport à l'accord sur la branche signalisation ferroviaire. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur ce dossier? Et donc, aujourd'hui également, des pistes avec General Electric semblent être brossées. Il va de soi que vous n'êtes pas là pour répondre pour le gouvernement. Ça va de soi. Si quelques parlementaires étaient tentés de vous interroger là-dessus, nous aurons le ministre qui nous répondra la semaine prochaine. Mais il est important, en revanche, que nous puissions, nous, avoir les parlementaires, la capacité de vous interroger, de faire part des inquiétudes qui, sur tous les bancs, quel que soit le territoire d'élection de nos parlementaires, voient le jour. Et puis juste, dernière annonce qui n'en est pas une, c'est rappeler que les syndicats viennent de voter un droit d'alerte économique et certainement, concernant la commission des affaires économiques, nous aurons également à organiser une table ronde avec les syndicats de façon aussi à avoir leur retour et sur ce dossier. Monsieur le Président, encore merci. Je vous laisse tout de suite la parole. Ensuite, les parlementaires auront à s'exprimer. Je rappelle les règles qui régissent le fonctionnement de notre commission des affaires économiques. Nous avons des responsables de groupe qui ont la parole pour 3 minutes, des orateurs de groupe dont les noms nous ont été communiqués. Ensuite, tous les parlementaires qui souhaitent s'exprimer naturellement doivent s'inscrire ici auprès du secrétaire de la commission et ils ont, je vous le dis, 2 minutes de temps de parole. À l'issue de ces interventions, au-delà de vos propos introductifs, monsieur le Président, vous aurez tout loisir pour répondre et le temps qu'il vous faudra pour répondre aux parlementaires. Merci beaucoup et je vous laisse la parole.